Bonjour à tous. Le marché parisien se rapproche des 5200 points à l'ouverture dans le sillage de la progression des marchés américains. À suivre ce matin, Engie qui a réalisé des résultats en ligne avec ses objectifs, avec toutefois un bénéfice net dans le haut de la fourchette annoncée et un désendettement un peu plus prononcé que prévu. Et puis Casino a publié des résultats 2017 en hausse, notamment une marge opérationnelle qui remonte à 3,3%. Un œil également à Sanofi, l'allemand Evotec a démarré des négociations exclusives en vue du transfert de l'unité de recherche sur les maladies infectieuses du français. Et du côté des analystes, JP Morgan a relevé sur Nexans sa recommandation de neutre à surpondérer. Et notre gros plan ce matin sur Renault qui a flambé hier en clôture sur des rumeurs de rachat des parts de l'État par Nissan. Les protagonistes ont démenti, mais l'agence Reuters a révélé l'existence d'un projet de rapprochement plus poussé des deux sociétés qui ont des participations croisées. La spéculation devrait encore durer aujourd'hui. C'est la fin de ce flash, on se retrouve à midi pour le point de mi-séance.